Ce sont des images et des sons qui le hantent. Le festival de musique auquel il participait, pris d'assaut par le Hamas. 12 jours que ce jeune Français revit le film de ce matin maudit. L'enfer a commencé par une pluie de roquettes. On se cache vraiment tous en dessous des voitures comme ça, vraiment. C'est là qu'on entend, une mitraillette. Les balles, ils passent au-dessus de nos têtes, carrément. Les terroristes du Hamas kidnappent ceux qui ne réussissent pas à s'enfuir et tuent au moins 260 jeunes. On court vers les 40 minutes dans le champ. Et ils nous ont carrément attendus de l'autre côté. Encore 5 personnes des Hamas. Ils sont sortis et c'est là que je vois des jeunes qui courent vers moi. Et je comprends pas. Je lui dis, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cours de là-bas? Il me fait, sauve-toi, ils viennent de là-bas aussi. Je lui dis, non, de là-bas, ils viennent. Il me fait, non, je les ai vus de... Et c'est là qu'on comprend même plus où y aller. Certains tentent de s'échapper en roulant, mais les terroristes visent les pare-brises. Youssef, 23 ans, se réfugie où il peut. On s'est caché dans des arbres, on s'est caché en dessous des trous par terre. Il y avait un moment que j'ai grimpé un arbre parce qu'ils ont tiré de partout. À peu près tous les une demi-heure, 20 minutes, on recevait des tirs de notre côté et là on voyait des jeunes encore et encore mourir. Il raconte, sans reprendre son souffle, devant son père médusé. Et il évoque ce moment suffocant où il réalise que les policiers israéliens ne pourront pas l'aider. Ils sont partis, les policiers. 20 minutes après, on comprend que les 2 policiers sont morts et la voiture de policiers, il y a des Hamas dedans. Je te jure que j'ai vu peut-être 3 voitures de police et je les ai pu arrêter, je me suis sauvé. On ne savait même pas c'est qui va sortir avec la mitraille. Ce cauchemar va durer de 6h30 du matin à 18h le soir, quand il réussit enfin à quitter cette zone à bord d'un bus. Je suis dans un état pas très bien. J'ai beaucoup de haine, beaucoup de colère, parce que j'ai tout vu dans mes yeux et les histoires que j'ai entendues qu'il y avait dans les villages et tout ça. Je comprends pas comment il peut faire ça et comment des gens peuvent faire ça. Ce jeune homme traumatisé et réserviste, il a été rappelé pour rejoindre le front. Des psychologues décideront dans les jours qui viennent s'il est apte au combat.